maman. Trae tus cosas. Pronto. Pronto. No llores. Con prisa. Eso. ¿Qué esperas? ¡Vámonos! ¡Santiago! ¿Qué carajo haces? ¡Sube toda la troca! ¡Ahorita mismo! Santiago, muchachos, ¿dónde has estado? Chambeando. Ya nos llevan con un gol. ¿Nada más uno? Me invitas, si marco. ¿Qué estás haciendo? No quiero que nadie se lastime. Sin espiriteras no puedo jugar. ¡Para afuera! ¡Párate! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¿Y ahora? Las espinilleras. ¡Cálmala, cálmala! ¡Despacito, despacito, hombre! Luego. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Bah, on a gagné 4-2. J'en ai marqué 2. Et un beau que j'ai manqué. En español. Ganamos. ¿Qué hace el papá, eh? Pues quiere comprarse una camioneta propia. ¿Para qué? Pues para que puedan trabajar independientes.
Muñez e hijo, ¿te parece? ¿Es lo que quiere para nosotros? Il y a toujours un plan B. Ah oui, ce serait quoi? Le rêve américain. On gagne à la loterie. Là. ¿Qué pasó? Quiere demasiado. Dommage. Ne sors pas sans rien manger. Ça fait 6 mois que je suis à la plonge. Pourquoi est-ce que je passerai pas en salle? C'est un restaurant chinois. T'as rien d'un chinois. Et après, on est en Amérique, vous êtes américain, moi aussi. La carte verte, tu l'as? Si j'arrive à la voir, je pourrais servir? Non, t'as rien d'un chinois. Silence! Tommy, recule pas, reste où t'es. T'es à l'aile, reste à ta place. C'est pas une finale de coupe, il manque 7 ans. C'est jamais trop tôt, Val. Et entre nous, je crois pas que Tom soit passionné autant que tu le voudrais. Tape. Mais non. Hop, attention. Vas-y, Tom. Merci. À Santiago, à Santiago. Vamos, pásala, pásala. ¡Échala! Buena. Il touche sa balle. C'est pas de le dire. C'est vous qui lui avez appris ça? C'est Dieu qui lui a appris. Regarde quoi là, ses pieds, il est trop court. Il regarde pas assez loin. Et ses jambes, il faudrait qu'il les lève. Ceux d'en face aussi disent pareil. Jusqu'à ce que t'aies marqué. Bien hecho, Santiago. Bon match, fiston. Tu joues en pro en dehors? C'est-à-dire que... pour jouer en pro, faudrait que j'aille au lycée. Et nous, on va pas au lycée. T'es quand ton prochain match? Ce samedi là. Il y a un type qui était dans le même avion que moi l'autre jour en venant à LA. Je voudrais bien qu'il voit jouer, c'est son boulot, il est agent sportif. Sérieux, je pense que t'en vaut la peine. Ouais, enfin, faut pas vous vexer, mais je dois aller travailler. J'ai tapé le ballon moi aussi dans le temps. Ouais? Uh-huh. Où ça? Angleterre. J'ai aussi été recruteur, je sais de quoi je parle. Angleterre. Comment tu t'appelles? Santiago Muñez. Glenn Foy. Santiago! Je te verrai sur le terrain, Santiago. Corrale, corrale! Dos chilas, por favor. Las estrellas de cine tienen agentes. ¿Qué vas a hacer tú con un agente? ¿Sabe una cosa? Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. No entiendes, ¿verdad? Hay dos clases de personas en este mundo, mano. Las que viven en mansiones y personas como nosotros, que le cortamos el zacate y lavamos los carros. Yo sí puedo llegar a ser jugador profesional. ¿Qué estás hablando? ¡Juegas en un parque! Con un montón de güeyes que trabajan lavando carros. Ah, je sais pas. On présente ce gars-là. Ça peut tout changer. Pour le meilleur. Yo sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Para mejor. Compramos una troca y montamos nuestro propio negocio. Lo demás son pendejadas. Otra cerveza. Pinche chavalo. Baseball, tennis, soccer, basketball.
Paris, vous avez un moment? Maintenant, jamais. C'est un jeune Mexicain qui habite les quartiers latinos. Il m'a étonné, je te jure, Barry. Et tu sais qu'il en faut beaucoup pour m'étonner. Le dernier en date, c'était le jeune Germaine Defoe. Ouais. Évitons les sujets qui blessent Glenn, d'accord? Et donc samedi, tu aurais l'occasion de le voir à l'œuvre. Un match contre un lycée quelconque. Bon, voilà, dis-moi où ça va se jouer exactement. Je serai là, tu peux y compter. M'en voir, hein? Ouais. Excuse-moi, tu veux? Dis donc, puisque t'es venu, va donc taper dans le buffet. Fais-toi plaisir, je présume qu'Agathe Z n'y a pas encore de sashimi. Ça se saurait. Oui, Brad? Un sashimi? Non, je suis à L.A. Je savais jamais un rendez-vous, non? Je suis en plein bise, bonhomme, en plein pour parler. Depuis ce matin, j'ai pas arrêté. Ouais, c'est pour ça. Écoute-moi, rends-nous service, tu veux, t'envoies une vidéo de ton prodige. Ouais? Glenn? Prends-le. Mon garçon, bien joué. Merci, merci. Je vous présente mon petit frère. Bonjour, jeune homme, c'est un honneur. Et voici ma grand-mère. Ma fille, Val. Enchantée. Enchantée. Vous êtes l'agent? Non, 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 c'est l'homme qui a demandé à l'agent de venir. Ce que, hélas, il n'a pas fait. Il a trop de travail, sans doute. Bon. Il viendra au prochain match? Non, il ne pourra pas, je le crains. Il a son avion pour l'Angleterre demain et je rentre moi aussi. T'entends ça? Papa était peut-être dans le vrai, a trop rêvé, on est déçus. Merci quand même, c'était sympa. Merci, Seigneur. Allô? Qui est-ce? C'est Glenn Foy. Glenn Foy. Je vous connais, monsieur Foy. Oh, j'étais l'un des recruteurs lorsque vous avez pris votre poste. En fait, vous m'avez licencié quand vous avez remanié le staff technique. Mais je vous en veux pas. J'en suis soulagé. Alors, pourquoi me réveillez-vous à 3h30 du matin? Oh, désolé. J'appelle de Californie. J'ai vu un jeune taper dans la balle et... Je crois qu'il a un don hors du commun. Quel club, dites-vous? Non, aucun. Il joue dans une équipe locale en amateur. Le souci, c'est que je repars demain à la première heure et j'aimerais que vous me fassiez une promesse. S'il vient frapper à votre porte, vous voudrez bien le recevoir? Il faut que je vous promette de le recevoir. Ouais. Le temps d'un petit bout d'essai. Et je vous demande rien d'autre. Si je vous dis que c'est d'accord, vous me laisserez dormir? Oui, monsieur Dornheim. Alors d'accord, monsieur Foy. Attends.
Tiago. Hey. Comment tu vas? Bien, merci. Et vous, ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ton entraîneur qui m'a dit où je te trouverai. Quem es este? El señor inglés que me vio jugar fútbol. Si tu viens nous voir en Angleterre, Newcastle United te fera faire un essai. Newcastle United? Un super club? Le top des clubs. Qué tonterías son esas. De verdad, crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Il dit que je peux y arriver. Pourquoi vous venez lui mettre ce genre d'idée dans la tête? Vous êtes qui pour faire ça? Quant à toi, tâche de garder les pieds sur terre, au lieu d'avoir la tête dans les étoiles. Vámonos. Venga, vámonos. Allons-y. C'est peut-être trop attendre de nous. Comme ça, un beau jour, il faudrait qu'il vole jusqu'au bout de la terre, parce que vous lui dites... Le patron du club m'a fait une promesse. Il le recevra et il lui fera faire un essai. La suite lui appartient. Regardez-moi dans les yeux et répondez à cette question. Oh, mère. Vous pensez qu'il pourrait être professionnel? J'en ai l'intime conviction. Papa, si tu veux arriver à l'heure pour ton avion, il faut y aller. Je te laisse ma carte avec les coordonnées. Prends le temps d'y réfléchir et appelle-moi. Ce fut un plaisir. C'est gentil. Assez. Non mais, planquer quoi? Toute la famille sait que tu mets ton blé dans tes pompes. Tu vas y aller? Ben, grand-mère dit que je devrais. Papa, il dit quoi? Rien vu qu'il le sait pas. C'est loin comment, en Angleterre? Pour l'instant. Si fer ça. Pagué 4.500 por la troca. Me he prestado 2.200 tuyos. Pero te doy la mitad del negocio. Es un trato. Le robaste el dinero. No te metas, mamá. Tu savais ce que je voulais en faire. Une bonne semaine ou deux, j'avais assez. Pourquoi faire? Aller courir après un rêve stupide? Devenir footballeur professionnel en Angleterre. Arrête. Des bêtises. Et quand t'auras échoué, tu rentreras comment sans papier? J'ai peut-être une chance. Et tu crois que je devrais renoncer pour vivre à ta façon? J'ai toujours réussi à nourrir ma famille. Au Mexique, je travaillais dur sur les chantiers. Et la nuit, je faisais les ménages dans un bordel. C'est mon argent qui vous a amené sur le sol américain. Quand votre mère nous a quittés, non, qu'elle nous a abandonnés. J'ai tenu notre famille à bout des bras. Et cela en dehors de ça. C'est moi qui vous fais vivre. Et on a enfin notre affaire à nous. C'est de cette façon que les choses s'améliorent. C'est à ça que l'on mesure la vie d'un homme. Sauf que ça, c'est ta vie. La mienne. Viens, 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 viens
grand jour pour le club. Gavin est sans conteste un surdoué qui devrait s'intégrer au mieux dans notre schéma tactique ici à St. James Park. C'est avec plaisir que je lui remets ceci. Gagner le championnat étant hors de question, quels sont, pour être réaliste, les objectifs que vous vous êtes fixés? Bien, finir dans les quatre premiers. Se qualifier pour l'Europe est, je crois, essentiel pour un club comme le nôtre. Auquel cas, vous allez devoir cumuler un maximum de points lors de vos prochains matchs. Écoutez, le club a eu quelques problèmes ces derniers temps, mais... maintenant, je suis là. Je cours pas après la gloire ni le fric, c'est pas ça mon truc. En fait, ce que j'adore, c'est... c'est gagner des matchs. Donc accumuler un max de points sera pas un problème. Hein, patron ? ¿Dónde está tu padre? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Bien. No necesita oír esto. Ven. Boleto de tren para San Diego. Boleto de camión para la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Eres ilegal. Este es tu pasaje. Está fechado para dentro de una semana. Abuela, ¿cómo hiciste para pagar eso? He trabajado toda mi vida. Tengo mis ahorros. ¿Qué vendiste? ¿Qué empañaste? Cosas viejas. Del pasado. ¿Alors je vais avoir la chambre pour moi tout seul? Amène-toi. Qui t'aidera à faire tes devoirs à la maison? T'en ficheras pas une si je suis plus là. Il les fera. En tout cas, avant de partir, va te laver. Vraiment, t'en peste. Ah bon? Parce que je m'en vais là, tout de suite? Bien sûr, oui. Avant que ton père rentre du travail. Mira. Quand votre mère nous a abandonnés, j'ai promis à Dieu que je ferai tout ce que je peux pour vous aider à réaliser vos rêves. Tu mérites d'avoir ta chance, Santiago. Saisis-la. L'objet de votre séjour? Excusez-moi? Pour affaires ou tourisme? Pour affaires. Je viens pour jouer au soccer. Football. Enfin, j'espère. Pour Newcastle United. Attendez une minute. Ce jeune homme entend jouer pour votre équipe, monsieur Anderson. Newcastle? Oui, monsieur. On accueille toutes les bonnes volontés. Len, téléphone! Allô? Qui? Santiago! Père d'Angleterre? Où? Quelque part dans Londres. Et alors, je veux dire... c'est où Newcastle?
comment ça va? Pourquoi tu m'as pas appelé de Los Angeles? T'aurais dû m'annoncer que tu veux. Est-ce que ça ira, je dérange pas? Ah non, non, ça va, bien sûr, mais disons que tu prends un peu de cours, voilà tout. Tu vas te poser chez moi le temps de se retourner et qu'on sache un peu où on va. Ok. Alors voilà, bienvenue à Toon. Toon, c'est quoi ça? L'endroit où vivent les Jordis. C'est quoi un Jordi? Ceux qui vivent ici, à Toon. T'as encore beaucoup à apprendre, mon garçon. Toon, comme dans un cartoon, genre Bugs Bunny. Seul? Oui. Tu connais ma fille que je t'ai présentée. Et votre femme? Un cancer l'a emporté il y a 2 ans. Oh. Vous m'excusez. Hé. Ma grand-mère, elle vous offre ça. Oh, c'est... Elle l'a eu quand elle était toute jeune. Je suis pas trop catholique, mais... Ah, elle dit que vous êtes un homme bien, et donc... Santiago, le dîner est servi. Santiago? Sur la touche il y a un bout de temps, comme ces voitures. Vous les réparez? Je les répare, je les restaure. Écoute, il n'y aura pas âme qui vive au club avant, allez, disons 10 heures, alors tu devrais avaler un petit quelque chose, boire un café, je sais pas. Ouais. T'as de quoi payer? Ah non. Non mais c'est bon, ça va aller. Non, non, ça me gêne. Allez, t'inquiète. Prends. Au bout à droite. Pour cette fois. Qu'est-ce pas Gavin Harris? J'aime pas trop son attitude. Ouais, mais faut dire aussi, 3 clubs en 5 ans, c'est peut-être pas pour rien. Mais je crois que c'est quand même mieux de le faire jouer au centre. Quand il pète les plombs, il se la goinfre sur l'aile. Ça, pour se goinfrer. Bah, qu'est-ce que tu regardes? Excusez, mais là, vous parlez de soccer, c'est ça? Non. Football. Ouais, c'est ça.
De quoi tu veux qu'on parle? D'où tu viens, petit? Los Angeles. Merci. Ah, je vois, ouais. Tu connais Charlize Theron? C'est un beau brin de fille. Qu'est-ce que tu viens faire par chez nous? Je dois faire un essai pour Newcastle United. Oh. Un essai, carrément? Ouais. Eh ben, dame. Dis donc, t'es sérieux, là, Stico? Ouais, ouais. Peut-être même aujourd'hui, qui sait. Dans ce cas, vas-y, mollo sur le boudin. Tu m'étonnes. Mais comment... Dites-moi, il y a quoi dans ce truc-là? Vaut mieux pas que tu saches. Le foot, c'est une religion dans ce pays. À Londres, il y a une flopée de clubs, comme dans les Midlands. Manchester en a deux, Liverpool en a deux, Glasgow en a deux aussi. Il n'y a que par chez nous. Chez nous, c'est le Toon, rien. On y est. C'est lui le patron? Ouais, Eric Dornhelm, Monsieur Dornhelm. Il peut être un peu froid au premier abord, regarde-le bien dans les yeux. Je crois pas que ce sont mes yeux qui l'intéressent. C'est mes pieds qu'il va regarder. Monsieur Dornhelm, pardonnez-moi, Glenn Foy. Hein? C'est le jeune homme dont je vous ai parlé. Enchanté. Il est venu de Los Angeles. Santiago. On en a parlé quand? Quand je vous ai réveillé au milieu de la nuit. Ah. Vous avez promis de le voir à l'essai. Oui, un moment, je vous prie. S'il te plaît, tu m'étonnes. Un coup du chapeau et tu pars avec. Je suis sûr que tu as une montre. Une belle, je parie, avec une paire d'aiguilles. Tu me dis ce que tu fais l'heure qu'il est? Désolé, patron. J'arrive de l'hôpital. Je suis allé voir un gosse pour lui filer un maillot. C'est même bête qu'il n'y ait pas eu un photographe. On faisait une super couverture. Si tu laissais tomber ces conneries, ça fait 50 minutes que 6 journalistes piétinent le gazon en attendant d'avoir le privilège de te parler. Va te mettre en tenue. Ah, et aujourd'hui, tu t'entraînes avec la réserve. Vous jouez où? Los Angeles. Non, votre place sur le terrain. Ouais. Avec mon équipe, je suis plutôt devant, mais je préfère le milieu de terrain. Comme ça, je vois plus la balle. Emmenez votre poulain au centre d'entraînement. Nous verrons ce qu'il a dans le ventre. Comptez sur nous. Voilà. Et encore merci. Je serai pas très loin, d'accord? Ah, t'es là. Ça va comme tu veux, fils? Ça va. Excellent. Mal Braithwaite, c'est moi le coach. J'étais déjà pote avec Glenn du temps où il jouait pour nous. Autant dire que je suis plutôt de ton d'accord, côté. Monsieur, c'est gentil. Oh, pas monsieur, seulement coach. Monsieur, c'est le chef, celui qui a les yeux braqués sur toi aujourd'hui. D'accord? On y va? Ouais. C'est parti, allez. Ah bon? Ça va le faire. Ouais. Au milieu, côté droit, ok? Gavin, tu veux dire Gavin? Non, là, le blanc, tu te places derrière lui. C'est lui, Gavin. Deux. Tu sors, Eddie. Eddie! Amène-toi! C'est bon, à toi. Tu mets ta chasuble et tu nous épates. Hé, mal! Mal, c'est qui ce petit mec? Il vient de Mexico! Ménage-le, tu veux? Laisse ça, on va y aller, pépère! Oh!
Ce que j'ai. Mais mes pieds refusent de faire ce que mon cerveau leur commande. Ça se passera mieux demain, c'est promis. Il n'y aura pas de demain, Santiago. On rentre. Convaincu qu'on a tous une place bien déterminée dans la vie. On travaille, on fait vivre sa famille, on meurt. Et y a rien d'autre à espérer. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, j'ai vu ça avec votre collègue dehors. J'ai juste un mot à dire à un ami. J'en ai pour une seconde. Monsieur Dornhelm, Glenn Foy, ce matin. Écoutez, vous me pardonnerez de perturber les réjouissances. Tous les discours assommants sont passés, ça y est. Je m'apprêtais justement à assommer un peu plus d'auditoire. Votre présence est déplacée. Ma foi, si vous m'aviez répondu au téléphone, je ne serais pas là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du gamin. Santiago Muñez. Voulez-vous vous rapprocher? Oui, d'accord. Vous savez, ce garçon a grandi dans la misère, dans la douleur. Pour lui, la seule porte de sortie, c'est son talent au football. Il a fait 10 000 kilomètres sur mon conseil. Et il y a le décalage horaire, la nervosité. Il n'a sans doute jamais vu une telle quantité de boue et on le balance d'entrée sur un terrain pareil. Et tout ça pour jouer devant un homme qui a le portable à l'oreille. Je l'ai vu, vautrer les quatre fers en l'air du début à la fin de l'entraînement. Il y a eu un moment carrément magique. Quand il a mystifié McGowan. Le coup du sombrero. Ça vous a échappé? J'ai vu aussi. Vous vous régalez? Il paraît que c'est bon, ici. L'époque où je recrutais, je restais pendant des heures sous une pluie battante à observer des jeunes s'agiter dans tous les sens, à se faire des coups de crasse en essayant de se distinguer. Et une fois de temps en temps, un môme vous tombe du ciel et vous refait de la niaque. Dans le genre de celui-là. Donnez-lui un mois pour vous convaincre.
Ah, t'as trouvé mes vieilles reliques? Ah, je voulais juste jeter un œil. C'est ma femme qui a fait cet album. Vous avez joué pour une équipe de première ligue? Ouais, pas aussi longtemps que j'aurais pu le souhaiter. Pourquoi? Je me suis esquinté, ligament croisé. Regarde ça. Les shorts plus courts, les cheveux plus longs. Vous gagnez pas des millions. N'empêche que vous étiez déjà des héros. Ah ouais, les footballeurs sont très aimés. Ils l'étaient déjà bien avant, du temps de mon vieux, quand il gagnait 10 livres la semaine et descendait à la mine avant l'entraînement. Ah, au fait, tiens. Non, vous devez sûrement y tenir, je peux pas accepter. Mais je veux pas te le filer. Laissez-le, je veux juste voir de quoi t'as l'air en magpie. À quoi ça rimerait? À quoi ça rimerait? Eh ben, t'as gagné un mois d'essai. Attention, messieurs, lui c'est Santiago Muñez. Il arrive du Mexique. Non, Los Angeles. Los Angeles, si tu préfères. Et je veux qu'avant la fin de la journée, il ait fait connaissance avec l'équipe tout entière, ok? Ouais. Allez, on s'y colle! Je suis fait le Mexique en touriste une ouais, fois. Et alors? Alors j'ai chopé la tourista. Un jour, fiston, ouais. Ouais. Mais on en est encore loin. Pour l'instant, au taf. Merci. De rien. Vous voulez bien vous asseoir? Voilà. Bien. Ce sera peut-être un peu élevé. Pourquoi ça? Parce que je suis là près de vous et que... votre parfum sent bon et vous... Tout est normal. Le docteur du club, c'est vous? Non, je suis l'infirmière du club. Le docteur vous examinera tout à l'heure. Vous avez rempli le questionnaire? Ouais. Y a juste 2-3 mots que j'ai pas bien saisis. Comme quoi? Comme celui-là. Antécédents cardiovasculaires. Vous avez des problèmes cardiaques? Ah, non, non. Et comment celui-là? Voix respiratoire, des problèmes aux poumons, des difficultés à respirer? Vous en avez? Non. Vous montez sur la balance? Bien. C'est quoi votre nom? Armisson. Non, mais votre prénom, c'est comment? Vous n'avez pas besoin de le connaître. Vous n'avez pas besoin de savoir où j'habite, de quel signe je suis, ni ce que je fais samedi soir, du reste. Je vais vous prendre un petit peu de sang. Quoi? C'est vrai? Oh non, j'aime pas les piqûres. Oh, parce que vous avez un tatouage. C'est un vrai? C'est un truc de gang. Vous étiez dans un gang? À une époque. Il y a 3 façons de sortir d'un gang. Se faire descendre, aller en prison, ou comme moi, avoir une grand-mère qui vous remet les idées à l'endroit. Aïe. Désolé, Scarface. C'est quoi?
toi ton problème. Ou un problème. Quel problème? Ils t'ont filé combien de temps? Un mois. Un mois? Merde. C'est pas lourd. Moi, j'ai droit à 6. Je jouais au train de Mary Rovers avant d'être ici. Ils m'ont recruté à l'école quand j'avais 14 ans. Ah ouais? Ça donne quoi? Je commence. Ah d'accord. Psst. C'est Gavin Harris. Ils viennent de l'acheter pour 8 millions de livres. Tu manges avec la brésilienne ce soir, Jimmy? Nous la Guy McGowan a 33 ans. Et à moins que tous les arrières se pètent une jambe en même temps, il ne jouera jamais en équipe première. Pourquoi il m'en veut comme ça? Eh ben parce que t'es le petit nouveau à la maison. T'as un truc qu'il aura jamais, la classe. La classe? Ouais. Tu sais, la majorité des joueurs, moi y compris, jouent avant tout en fonction d'eux-mêmes. Ils déballent tout ce qu'ils ont dans le ventre juste pour qu'on puisse pas voir leurs faiblesses. Par contre, les grands joueurs, ceux qui ont la classe, ils jouent à l'instinct. Quand ils prennent un risque, pour eux, c'en est pas un. Tiens, enlève ton blouson. En 3 buts. Et dans les cages. Ça roule. Ils contrôlent toujours le ballon. Le ballon ne les contrôle jamais. Tenez. Regarde ça. 2 blousons et un ballon. Pas besoin de plus. T'as fini, bonhomme? Ouais, ouais, ouais. Pardon. Excusez. Santé! Ouais! C'est bon? Hey, écoute ça! Si ça te dit, je te fais faire la tournée! En ville, ce soir, on va en boîte et on boit un verre, il y aura des minettes. Ouais? Il faut une carte ou quelque chose comme ça? Carte? Ouais. L'identité, tu veux dire? Ouais, pour avoir le droit de boire chez vous, il faut quel âge? Il suffit d'être né. Gamin, tu veux un autographe? Décris au club, sinon camembert. Hé, hey, Elvis, je fais partie du club, moi aussi. Oh, l'ami, je fais partie du club, moi aussi, je te le dis. Comment ça se fait que je t'ai jamais vu? Je sors pas beaucoup, c'est tout. Hé, hey, attends. Mademoiselle Armisen! Mademoiselle Armisen! Salut! Vous nous accompagnez dans cette boîte? Non, merci, y'a que des snobinards qui se la pètent. Ah, d'accord, et où est-ce que vous allez? On va au Spyglass. T'es partant? Ouais, ouais. Ouais? Ouais. Merci. Il se laisse voir, ce Riora. C'est du bon vin de par chez toi, ça, non? D'Espagne? Non, en fait, j'habite L.A. Moi, je suis de Merseyside. L.A. et Merseyside? Vous faites quoi dans le coin, tous les deux? Eh ben, vas-y, toi. Eh ben, on joue à Newcastle. Les joueurs de football, ils étaient soi-disant prohibés. Du calme. Ils n'ont pas encore été engagés. Oh. Et moi, je te le dis, tant que tu patauges dans la médiocrité, petit gars, tu peux décrocher la timbale. Pardon, mais là, j'ai pas tout compris. Tout ça pour dire ne change rien. N'essaie pas de devenir un autre. Ben, c'est rien que le fait de venir ici, déjà, ma vie a changé. J'ai grandi en HLM avec un vieux accro aux allocs et une maman qui se pochetronnait. Perso, changement, je suis preneur. Oh, ça y est, je me souviens de toi. Le champignon, c'est bon. Quoi? Quand t'es venu, t'avais pas une mycose sous l'orteil? Oh! Ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah. T'es obligé de leur raconter tout ça? Je suis sûr qu'avec ton boulot, t'es amené à voir tous les joueurs à poil. Je te sens venir, sois pas aussi bateau. Non, je veux pas savoir qui a la plus grosse, je suis pas comme ça, tu te doutes bien. Bon, qu'est-ce que tu voudrais savoir alors? Lequel a la plus petite? C'est sûrement toi et c'est pour ça que je veux dire. Marquage individuel! Passe le ballon. Passe-le, allez. Oh. Mal.
Mounies, viens par là. Allons, messieurs, par ici. On se regroupe. Face à moi. Allez, plus vite. Et Mal, tu me donnes 5 minutes. Ok, patron. Merci. À nous. Quand je te dis cours, je veux que tu cours aussi vite que tu peux, tout droit vers le but. Compris? Ok. Cours. Reviens. Encore. Cours. Qu'est-ce que tu en retiens? Eh ben, qu'on peut aussi marquer du milieu de terrain. Non. Que le ballon avance plus vite que toi. Ici, on le fait tourner. Tu saisis ça? Ouais. C'est un groupe, pas un one-man show. Le nombre des là devant est plus important que celui qui est derrière. Ok? Ouais. On verra demain. Salut, Santi. Bonne soirée. Cette fois, le compte à rebours est enclenché pour Newcastle United. Il ne leur reste plus que 3 matchs pour se qualifier pour la Ligue des Champions, avec tout ce que cela implique. Et il leur faut gagner les 3, à commencer par celui d'aujourd'hui. Et la balle, faut jouer collectif. Le problème, c'est qu'il n'en a pas les moyens. Peut-être qu'il est pas dans son assiette. Ouais, il a la gueule de bois, oui. Tu le remplaces. Voilà. Y'a rien là. Ce n'est certes pas ce qui va arranger les affaires de Newcastle. Se retrouver avec un éclopé de plus dans l'équipe est la dernière chose qu'on peut leur souhaiter. Il sort, 23. À la récup, pense à jouer long sur Alan. Attendez un peu. C'est Gavin Harris qui sort. Quoi? Il fait sortir Gavin? Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il nous fait le berger allemand? Il a disjoncté? Faudra m'expliquer! Assieds-toi! Cinq minutes à jouer et toujours 0-0. Même si la possession de balle est largement en faveur de Chelsea. À Patrick Kluivert. Ouais.
Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es blessé? Non, 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 non. J'ai une super nouvelle. Quoi? Je suis pris dans l'équipe réserve. Génial. J'ai plus qu'une seule semaine sur mon mois d'essai. Ça passe ou ça casse. Au prochain match, si le patron me voit assuré, il voudra me garder. Sûrement qu'il voudra. Stop. Équipe réserve de Newcastle? Ouais. Oula, alors signe ça, mon gars. Ok. Tu sais que bientôt, tu feras que ça, signer des autographes. Ça t'ennuie? Qu'est-ce que t'as contre les footballeurs? Mais j'ai absolument rien contre le foot. Ah. C'est la célébrité qui me dérange. À cause de mon père. Il était dans un groupe de rock qui a eu sa minute de gloire. Sans déconner, je connais. Ce serait étonnant, j'avais 3 ans. Enfin bref, pour te dire que certains joueurs de football me font penser à lui. Au départ, ce sont des gens cool, sympathiques, et en un rien de temps, ça devient des gros cons fortunés qui du jour au lendemain larguent leur famille. Nous, c'est ma mère qui nous a abandonnés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père en parle jamais. Ce dont je me souviens, c'est sa colère, l'alcool. Il vient jamais me voir jouer. Le foot, c'est tout ce que j'aime. J'adore ça. J'ai passé mon temps à y jouer en sortant de l'école, de la messe. Et j'ai toujours espéré qu'un jour j'en ferai mon métier pour pouvoir en vivre. Et pourquoi il t'a fallu partir aussi loin de ton pays pour ça? Si tu veux le savoir, faut demander là-haut, au ciel. Quoi tu lui racontes pas, grand-mère? Contarme qué? Me llamo Santiago. Se le escuchaba muy feliz. Et puis dis-lui pour le match aussi. Jugará mañana por la noche. Para la reserva. Después de solo 3 semanas. Es genial, ¿no crees? Se escapó como un ladrón, sin ni siquiera despedirse. ¿Por qué tendría que importarme? À nous, messieurs. Assis, ouvrez vos esgourdes. D'ailleurs, c'est pas encore pété le tendon, on peut lui faire confiance une mi-temps, voire plus si ça va. Santiago, je te veux sur le flanc droit, mais lâche pas le 8 d'une semelle, ce gars, c'est une véritable anguille. Je te ferai un topo sur lui, une Jimmy. Je veux que tu restes placé derrière les deux en pointe. Et oubliez pas, vous laissez pas impressionner par des footballeurs. Ouais. Allez, debout, allez, au charbon, allez, 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 hop, hop, hop. On va les manger, on va les manger.
Qu'est-ce que tu nous fais, là? T'as bringué hier soir? T'as un truc à me dire que je devrais savoir, mon gars? Ok. Comment t'expliquer ça, Santi? Le talent, c'est évident que tu l'as. Mais c'est peut-être le rythme qui te manque, ou l'endurance pour jouer en Angleterre. Tu ferais bien mieux d'aller jouer là-bas, à Los Angeles. Tu peux pas rester rythme. Oui. Est-ce que Rose habite ici? Rosie, c'est pour toi. Oh, c'est pas vrai. Maman, je suis pas habillée. Alors, c'est toi, le jeune homme de Los Angeles. Oui, Santiago. Elle s'habille, elle devrait pas tarder. Merci. En attendant, tu veux boire un verre? Merci, mais ça ira. Je suis allée là-bas il y a des années quand mon mari était en tournée. On était descendu au Hyatt House sur Sunset. Il était surnommé le Riot House à cause des émeutes. Tu devais pas retrouver tes copines en ville? Oh, mais y a pas d'urgence. Ça a été un plaisir, Santiago. Oui, moi aussi, madame. J'adore son nom, ce jeune homme. Dépêche-toi de filer. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai menti, Rose. À la visite. Je fais de l'asthme. Bon, mais tu leur en as parlé? Si je l'avais dit, j'aurais jamais été pris à l'essai. Alors, mais fais-le maintenant. Trop tard. Ils m'ont viré. Oh, Sandy. Je suis vraiment désolée. Je suis venue parce que je pars. Tu t'en vas? Demain. Pourquoi aussi vite? Si je suis pas dans l'équipe, j'ai rien à faire ici. Mais enfin, t'as qu'à trouver une autre équipe. Mais comment j'ai pu être... J'ai pu être assez crétin pour croire que je réussirais. Le pire, c'est que j'aurais déçu plein de gens. Non. Hé, hey, crois pas ça. Glenn? Et puis ma grand-mère? Les joueurs passent tous par ce genre de coup dur, c'est normal. C'est le monde du ballon qui veut ça. Non, non. On se connaît à peine. Non. Ah, d'accord, je comprends qui vous est viré l'autre fois. Vous êtes une chèvre. T'as niqué avec les frangines Armitage, il y en a eu d'autres avant toi, hein. Ah, là, le taxi. Ouais, il m'en faut un, à la vitesse du son. C'est Gavin Harris.
Ouais, moi je suis Clint Eastwood. Fais-moi plaisir. Non, c'est pas des conneries. C'est bien moi. Il faut une voiture, pronto. Gordon, t'es loin de Blacklow? Pourquoi? Gavin Harris est bloqué dans le quartier, il lui faut une voiture d'urgence. Il est déjà en course, qu'est-ce que tu crois? Il défend aux couleurs, bordel. Tu le charges et tu te magnes. On va devoir faire un crochet, mon grand. Il y a un champion qui patauge. Dis donc, t'es le gamin de Haye? Tu vas à l'entraînement aussi? Non, je vais à la gare, j'ai un train. Pourquoi? Parce que j'ai merdé. Je m'explique en route. Tu sais ce que me fera le boss si je suis à la bourre. Alors c'est toi, Gavin Harris? J'ai le cas. T'es qu'une chèvre. C'est ce qu'on m'a dit. Allez, amène-toi. Sauf votre respect, patron, monsieur Dornhelm, le club ferait une belle boulette en laissant ce môme s'envoler. Je l'ai bien vu à l'entraînement, en jouant avec. Il a le truc, je le sens, les autres aussi pourraient vous le dire. Sur le plan technique, il... Quoi? Il est meilleur que toi? Eh ben... Il est dans ces eaux-là. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il avait perdu son inhalateur et il est asthmatique. Enfin, je veux dire, c'est tout con. C'est vrai, ça? Oui, monsieur, mais j'ai rien osé dire. Mentir est un problème. L'asthme, en aucun cas. On peut te faire des injections, des traitements, de l'acupuncture. Chez toi, elle est, ton médecin ne t'a pas expliqué ces choses-là? Bah, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de médecin. On a un dispensaire et on va toujours là. Pas mal de gens plaident encore ta cause, Mouniez. Moi, tout ce que je veux, c'est leur prouver qu'ils ont raison. Si vous m'en donnez la chance. Tu le mérites, à ton avis? Oui, j'en suis sûr. D'accord. Consulte notre docteur, fais-lui part de ton état de santé et reprends ta place sur le terrain. D'accord? Je vous remercie. Gavin? C'est un geste élégant que tu as eu là. Ouais. Enfin, je veux dire, j'essaie. Dis-moi maintenant pourquoi tu es en tenue de boîte de nuit quand ça fait 47 minutes que tu devrais être sur le terrain. Ce genre de geste, d'accord? C'était la dernière fois, vu? Réfléchir avant de t'en remettre un. Je croyais que tu m'aimais pas. T'as raison, mais ma frangine là, elle ferait la tronche si tu te fais amocher. Elle te prend pour Antonio Banderas. Hé! Hey, si tu te la fais, je te tue! Et voilà. Oh mon Dieu, mais c'est du délire! Hein? Tu t'attendais à ça? Non. Il y a à peine un mois, je faisais une croix sur cette ville, une croix sur toi, et aujourd'hui, j'ai un contrat.
Et ce petit appart. Et avec quoi tu paies le loyer? Gabino, je te présente mon ami. Bonjour. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais amener des filles? Non, je... Pardon, tu veux que je te laisse ou... Non, je vous charrie. Ciao, belle. Ça roule. Fais comme chez toi. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo, je crois. Oh, pizza et 2 sous chic. Facile de deviner son mode de vie. C'est un type bien. Il m'a sauvé la mise, j'oublie pas. Il a pas très bonne presse à ce que je sais. On est des professionnels. Le football, c'est toute notre vie, tu comprends? Salut, ça va comme tu veux? Bonsoir, tu vas aller, bon? Comme d'hab. Ça va, Gabi? C'est vrai, mais je le répète, oublie-la. Parce que le président du club n'est qu'un gros connard. Le manager le sait déjà, et le fait qu'il dise rien fait de lui un plus gros connard encore. Même les joueurs le savent. Ouais, il y a des clans et ça cancane. La vestiaire, enfin, tu vois. Ouais. Gav, 24 sur 24 sur la brèche. Hé, écoute, on s'appelle et on se rappelle. Les amis. Tu vas bien? Regardez-le comme il est beau. Content que tu sois là. Tu connais Santi? Santi, hey. J'en ai entendu parler. C'est lui qui a marqué en réserve samedi. Hey, joli. Ouais. Bonsoir. Hey, ça va? Alors Santi, t'as signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Si c'est pas indiscret, je peux savoir qui a négocié pour toi? Glenn. Glenn Foy? Il bosse dans un garage maintenant, fils. En fait, non, il fait... Attends. Je suis pas en train de dire, pas du tout, le mec est adorable. Il a même été un joueur remarquable, enfin, ce qu'on dit. Mais il connaît quoi en matière de promotion d'image? Il y connaît quoi en contrat publicitaire? Parti comme c'est, l'an prochain, tu joues en première. Et je te décroche une pub pour Gap. Comme je te l'ai dit. Hé, beau gosse, tu viendrais danser? Hé, hey, fais gaffe, c'est le roi de la salsa, ce mec. C'est gentil, mais non. Désolé. Allô? Santiago? Comment tu vas, l'anglais? C'est pas vrai. Hé, hey, papa, c'est Santiago. Quiero hablar contigo. Di que no estoy. Tu sais, là, il est occupé pour l'instant. Je comprends, c'est pas grave. Emmène-les au bout du terrain, Andy. On fait des étirements. Avant d'aller s'étirer à autre chose. Y'a un œil sur toi, Guy. Rendez-vous sous la douche, Bobby. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a qu'en passant, je viens de voir la liste de la réserve. Je suis pas dessus. Je suis même pas remplaçant. C'est quoi, ça? Je fais bien tout comme vous me le demandez. Je passe la balle, je joue où et quand vous voulez. T'es pas éjecté? C'est plus de mon ressort. Comment ça? Je comprends pas. Tu pars avec les autres. Tu joues à Londres, samedi. Santiago! Qu'est-ce que t'attends? Dépêche! On y est, les gars. Au travail. Allez! We'll be right back.
Newcastle s'est imposé de justesse devant Chelsea. Mais le plus dur reste encore à faire. Liverpool est à l'affût juste derrière. Et pour ne rien arranger, nous découvrons une formation de fortune aujourd'hui au sein de Newcastle. Phénomène d'abord lié à un nombre important de blessés et au fait qu'un des remplaçants, Santiago Muñez, s'avère être un parfait inconnu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il semblerait, mon cher Martin, qu'il aurait été remarqué dans un stade de Los Angeles par Glenn Foy, ancien milieu de terrain des Magpies. Oui, ce garçon a su se faire remarquer grâce à ses performances au sein de l'équipe réserve. Mais là, on est dans d'autres sphères. Et je suis curieux de voir comment il s'en sortira si les circonstances l'amènent sur le terrain aujourd'hui. Et c'est parti! Comment vous vous sentez? Non, j'irai très bien si on termine avec les 3 points. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement d'autres choix. Et s'il y en a un qui peut se réjouir, c'est bien le jeune Mexicain. C'est l'occasion de leur faire voir. Passons-nous-en. Où est-ce qu'il sort, celui-là? Tiens. C'est mon fils. C'est lui. C'est mon Santiago. C'est mon garçon. Eh bien, s'il en plante un, je te paye une pinte. Approche, assis-toi. On va te servir un verre. Approche. J'aime encore mieux pas regarder. Ok, c'est bon. Mettez-vous en place, calmez-vous. Le truc t'énerve. Regardez quoi au moment de la faute? Leur goal? Tu aurais dû avant tout noter tes deux partenaires, mieux placés que tu ne l'étais. Seulement tu ne passes pas, cours vers la gloire. Bonsoir, comment ça va? Arrête, Philippe, arrête de te prendre la tête avec ça. Il fait le coup à tout le monde. De toute façon, t'as bien joué, on l'a tous vu, ok? Hé, Johnny!
Salut, Santiago. Félicitations, t'as vraiment assuré. Oh, merci. Toute ma famille, c'était malade du Real Madrid, vraiment. Ma grand-mère, elle est folle de toi. Eh ben, continue comme ça, tu auras sûrement toi aussi. Un de ces jours. Ah ouais, j'espère. Hey, Gabino, tu viens de rager. Je te présente deux super potes. Zizou. Hola. Raoul. Santiago Muñez. Hola. Un gustazo. ¿Qué haces con este? Es el del coche. Sí. Tenemos que ir. Bueno. Mucho gusto. Mucho gusto. Está bien. Suerte. Anse Cat. Hasta luego. Ils sont venus tourner un spot. Hein? Mucho dinero, Santi. Putain. Allez, viens, on se tire. C'est mort ici. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Où tu veux aller? C'est mon territoire, fils. Ça, une fête, où tu vas, mec? Allez, remets-toi, on va t'apprendre. Allez, c'est là où ça se passe. Salut, les gars! Une fête, ça ressemble à ça. Salut, les gars! Vas-y, tape dans le tas, c'est mon ami. C'est contre la mort. Allez, allez, vas-y, lance-toi. Laisse faire et connaisse. Vas-y, je peux pas te finir. Ouais, bon, ballon. Je sais jamais trop quoi dire. Il n'est pas du tout nécessaire de savoir parler avec ce genre de fille. J'en ai déjà une. Enfin, je crois. Non, faut voir. Mais elle me plaît bien, en tout cas. Elle a beaucoup de chance. Et Gavin, vous l'avez connue comment? Pendant ce genre de soirée. Entourée de ce genre de personnes. Mannequins, musicos, footballeurs. Ouais. Ne lui dites pas que je suis partie. C'est tant qu'il s'en rende compte. Une explication là-dessus? Bah, y a rien à dire, monsieur. Voilà, il y avait, comment... plein de monde qui faisait la fête, dont moi, et... Quand tu voyages avec notre club, tu es un ambassadeur de notre club. Monsieur Dornhelm, c'est pas de ma faute. Vous si, comprenez... c'est ta faute. C'est toi et personne d'autre qui t'es fourré dans cette situation. Qui t'accompagnait? Kim. Il est écrit qu'il y avait deux joueurs de Newcastle. Qui est l'autre? Je peux pas le dire, désolé. Comment ça? Tu refuses de me le dire? Ouais. Rose! Rose, hé, je peux t'expliquer pour la photo. Écoute, quelle photo? Celle dans le Sun. Tu lis pas torchon. Très bien, tu l'as pas vue alors? Je lui ai fait voir. Une sacrée soirée des dents. Et tous ces gros nénés, c'est des faux ou des vrais? C'était pas du tout ce que tu pourrais penser. J'ai aucune envie d'en parler, ok? J'ai du travail. Tu ferais mieux d'aller voir ton copain Jamie, tant que t'es là. Il attend le médecin en salle B. Hé! Ah, Santi. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été sorti en cours de match sur une civière. Ils m'ont direct expédié ici pour que je passe une IRM. Ils peuvent tout rafistoler aujourd'hui, t'en fais pas. Je suis pas sûr. J'ai vraiment morflé sur ce coup-là. C'est tout ce que je peux te dire. Si ça te dérange pas, on va attendre un peu pour les sons de salsa, d'accord? Le ménisque est fracturé. Il a une déchirure sur un des ligaments. Désolé, ça me parle pas. Est-ce qu'il pourra reprendre? S'il veut pouvoir remarcher, non. Ça va, l'artiste? Ouais.
Au fait, merci d'avoir essuyé l'orage pour moi. T'es un amour. Si tu m'avais balancé, j'étais dans la merde. Autant dire qu'on est quitte. On est d'accord, j'ai plus à te faire de fleurs. Ok. Tu gâches ce qui peut t'arriver de bien. C'est pour ça que t'as perdu Christina. Elle va revenir. Compte pas là-dessus. Tu sais pourquoi? Elle déteste les tarés que tu fréquentes. D'après toi, la photo, comment elle est arrivée en première page? Plutôt Laura Fourguet. Et ton autre pote, là, combien il se fait chaque soir en plaçant sa cam dans les endroits branchés où tu l'emmènes? Ah, tu me prends pour un chicano qui connaît pas la musique? On entame probablement les plus belles années de notre vie. Et combien on a devant nous? 10 ans, avec de la chance? Ou même moins si on fait comme Jamie. Et ça, ça peut tous nous arriver. Suffit d'un mauvais tacle et on est de nouveau bon pour la plonge. Tire-toi. Fous-moi le camp, tu veux? ¿Ya subieron todo? A ver, pásame las cosas. Ya. ¿Où est-ce qu'il est? Está colocando los espersores. Tengo hambre, vamos. Aquí a la esquina, donde hay un restaurante. Papá, il est temps d'y aller, t'es où? Papá? Pour la photo. Santé, j'ai reçu un appel. Prête-toi. Il faut que tu téléphones à ta grand-mère. Glenn, Sia. Son père. Crise cardiaque, apparemment. Va s'en remettre? Non, c'est fini. Tenez, ça va aller. Non, non, vraiment. Ça va aller. Non. Merci pour tout, Glenn. Fais attention à toi. Patron, j'ai un truc à vous dire. Je t'en prie. Sur la photo, c'était moi le deuxième joueur. J'en tombe de nu. Et je voudrais aussi que vous sachiez qu'en fait, c'est moi qui l'ai entraîné dans cette soirée. Au départ, il avait même pas envie d'y aller. Ce genre de plan, c'est pas son trip. C'est un chouette gars. Je suis le seul responsable de ce qui est arrivé. Des petits jeunes qui brassent des millions toute l'année, mais qui restent des petits jeunes, ça n'est plus une excuse valable en ce qui te concerne. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Plutôt 29, je dirais. Ouais? Dans ces eaux-là? Les jeunes joueurs devraient pouvoir te prendre en exemple, en dehors comme sur le terrain. Je me fais comprendre? Je vois ce que vous voulez dire, patron. Et il se trouve que... vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Santiago, trae tus cosas. Pronto. Con prisa, Santiago. ¡Deja! ¡Deja!
J'étais à l'aéroport et j'étais en train de me dire, en fait, ça y est, tu la tiens enfin, ton excuse. La raison que tu pourrais balancer aux copains et à tous les autres qui a fait que t'as dû renoncer. Ouais, bah, mon vieux est mort. Il a fallu que je rentre et que je gère les affaires. Et vous savez pourquoi il me faut une excuse? Non. Parce que c'est la façon de penser que mon père m'a mis dans le crâne. Il a fait en sorte que je perde toute confiance en moi, que jamais je puisse espérer avoir... Aspiration. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. J'ai besoin d'aucune excuse. La seule personne aujourd'hui qui pourrait me dire d'arrêter de rêver, c'est vous. Et si vous le faisiez? C'est même pas dit que je vous écoute. Tu as raison, Santi. Tu n'as pas à rentrer pour autant. C'est la volonté des dieux. Si, hijito. Cuídate. Ça va? Ouais. Je venais voir comment t'allais. J'aurais même pas pu faire la paix avec lui. Il a pas non plus cherché à la faire. Non, mais il m'en voulait encore d'être parti. Qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai, qu'est-ce que t'en sais? Toutes les photos que t'as expédiées chez vous. C'est où chez moi, je sais plus. Si tu sais. C'est vert. Et il y a un but de chaque côté. Comment tu te sens? Ça va, boss. C'est difficile, ce que tu vis là. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. Merci. Tu devrais pas rester. Le gardien commence à l'avoir mauvaise. Il tient à son gazon. C'est juste que... je voulais voir ce que ça faisait... enfin... piétiner cette pelouse. Tu le sauras samedi soir. Allez, évacue le terrain. Por favor. Il me fait jouer en championnat contre Liverpool samedi. Il nous aura des places, hein? Ouais. Je suis fier de toi, je suis fier de toi. J'en ai jamais douté, bonhomme. Dès le premier jour, je l'ai dit à Phil. Un Phil que je t'ai dit qu'il était doué. J'avais dit ça? Je vous devais un billet pour le café, vous vous rappelez? Oh, grand Dieu. Amène-toi, on va fêter ça. Ce serait Gavin Harris? Où ça? On va chercher Donana au club et on file chez moi direct. La vida loca. Ouais, bon, ça va, je déconne, ma table de télé et pizza. Hé, hey, dis-moi, on peut le mettre, le toit, là? Je me dis belle. Mets une écharpe. Ah,
que tout se joue. Le dernier match de la saison contre leur principal rival, Liverpool. Le destin de Newcastle va se jouer dans les 90 prochaines minutes. Seront-ils européens avec tous les avantages qui en découlent la saison prochaine? Pour ça, il leur faut gagner aujourd'hui. En loge présidentielle? Tu connais des joueurs? Et alors, Gleb, vous vivez ça? Bien, écoutez-moi. Jeunes gens. Vous savez ce que vous avez à faire. Choisit donc de démarrer avec le jeune Santiago Muñez. Ce n'est que sa deuxième apparition dans l'équipe première et on attend sûrement de lui qu'il joue avec la même classe que lors du match contre Fulham la semaine dernière. Vas-y, Santiago! Et on sent surtout que les deux équipes ont vraiment besoin de cette victoire. Un client est repeint pour toi, Gordon. Trop tard, Tommy, je suis booké à plus savoir qu'en faire, je te rappelle tout à l'heure. Excusez-moi, les gars, faites une petite place. Ça donne quoi jusque-là? On mène nos points et on fait le forcing. Ça joue depuis combien de temps, les gars? 1 minute 10. C'est perdu pour Liverpool. Et c'est Alan Shearer qui cherche à organiser la contre-attaque pour Newcastle United. Il est soutenu à sa droite par Steven Carr. Dyer à la récupération. Et Harris se place au centre. Harris, oui! Et but de Harris! Le rêve commence pour Newcastle. Quelle belle réponse donnée par Harris à ses détracteurs! L'arbitre accorde un coup franc! Coup franc pour Liverpool! Et ils l'ont joué vite! Centre dans le paquet. Et pour Liverpool. Un partout. Le tour Liverpool du numéro 25, Igor Biscard. Et Newcastle perd une fois de plus le ballon. Sur Barros. Bien placé à 25 mètres. Qui mène désormais 2-1. Deux buts encaissés coup sur coup sans riposte. Ah, c'est un vent de désolation qui souffle sur Newcastle. Reste-t-il un espoir de les voir remonter au score? Rien n'est moins sûr. But pour Liverpool du numéro 5, Milan Barros. Et voilà où nous en sommes. Seconde mi-temps, Liverpool domine Newcastle. Et ce deuxième but a véritablement semé le doute dans la cour de ses supporters. Oh,
Une belle occasion pour Gérard. Oh, ah, loin. C'était moins une. Pour le coup, c'en était fini de Newcastle. Autour de Mounier, la jeune recrue ne manque pas de ressources. Il tente un 1-2 avec Alan Shearer. D'image, je te dis pas la foire que ça va être, ils vont manger, ça grouille de requins dehors. Je suis au courant, c'est pour ça qu'il a signé avec moi. Signé ? C'est une belle remontée de Newcastle, mais si le score doit en rester là, c'est Liverpool qui sera européen la saison prochaine. Il ne reste plus que 3 minutes et le temps joue contre Newcastle. Maintenant, il faut créer l'occasion, aller chercher le but de la délivrance. Véritable chance qui s'offre à Newcastle. Mais à qui va-t-on la confier ? Hé, hey, Santi ! Allez, régale-nous, Herman. Reste à espérer qu'ils savent ce qu'ils font. C'est le jeune Santiago Muñez qui va le frapper. À quelques secondes de la fin de ce match. Et il a sûrement conscience que tous les espoirs d'une ville entière reposent sur ses seules épaules. Avec nous pour Fulham, chérie. Je vais te dire que c'était un homme heureux. Pas vrai ? Tu n'as pas été ici ? Alors, je veux. Ah, ce petit, quel joueur ! Et il est pour nous ! Plus que quelques secondes, et ce sera le coup de sifflet final. Pour te dire une chose. Glenn ! Quand j'ai joué le match contre Fulham, mon père regardait la télé dans un bar. Ce jour-là, mon père m'a vu jouer. Il est probable qu'aujourd'hui, il te regarde de là-haut. Santi ! Santi !
Show.